peuvent embêter Gilbert Hebb, les mêmes qui peuvent embêter Joski ou un tel, non. Si un plus petit peut un jour faire tomber un baobab, que ça vienne un peu. Si Obianga lui-même, il a allumé le feu qui va le faire tomber, comme il a dit lui-même, parce que c'est ce que Stéphane a dit, il a dit, il a allumé lui-même ce qui va lui entraîner sa chute. Mais c'est une bonne chose. Est-ce que Obianga n'est pas rentré dans la maison de Ping, n'a pas saisi, n'est pas rentré avec des huissiers chez Ping, et n'a pas saisi les comptes de Ping? Vous pensez qu'Obianga, c'est un grain de sable entre les mains de Ping? Vous le savez. Mais regardez, derrière Ali, ce qu'il a fait à Ping. Mais derrière Oligui, vous allez voir ce que Stéphane Zeng et Washington va faire au Pianga. C'est la théorie du complot. J'en ai fini. Ok. Mets en grand, s'il te plaît. Ah, pardon. Alors, cher peuple gabonais, vous savez, quand on est dans un débat, hein, et qu'on parle des choses sérieuses, il faut arrêter de faire des commentaires qui visent à pointer du doigt aux gens qui interviennent. Surtout les commentaires, vous partez dans la vie privée des gens ou du moins vous insultez les gens. Vous dites souvent ici que non, j'insulte les pères et les mères des gens. Je me lève un matin pour vous insulter vos parents parce que vous êtes des personnes irrespectueuses. Je vous invite la prochaine fois que vous me voyez dans un panel, que ce n'est pas le mien, parce que je sais que vous ne pouvez pas mettre pied chez moi. Parce que la racaille, je n'accepte pas ça. Les règles de goût, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ce genre de choses chez moi. Vous faites très attention quand j'interviens. Vous vous focalisez par rapport à ce que je dis ou bien par rapport au sujet qui a été énoncé. La prochaine personne qui va encore émettre un commentaire